D'accord. Oui. Là, ils vont enchaîner plusieurs morceaux et vous pourrez applaudir tout à la fin. Merci. Et moi, j'ai oublié de vous les présenter tout à l'heure. Ils vont vous le dire. Héloïse. Je cancelle. Tout à l'heure, d'un revers de la main, il la projeta contre la table et il allait l'écraser de tout son poing lorsqu'il se ravisa. Il avait déjà bien assez donné la mort comme cela. Thank you.
Abricotiers sauvages en fleurs. Elle les butina et, par le miracle de la nature, pollinisa l'un des arbres. Quelque temps plus tard, cet abricotier donna des fruits si savoureux qu'un paysan en tira une excellente confiture. On lui en fit tant de louanges que l'idée lui vint d'aller emporter un joli pot au roi de son pays. Le roi n'avait pas d'inclination particulière pour les confitures, mais il était amoureux. Thank you.
Le roi était amoureux d'une belle princesse qui se refusait sans cesse à lui. À plusieurs reprises, il l'avait invitée au bal de son palais, mais la belle avait toujours fait la sourde oreille. Il décida de renouveler pour la dernière fois son invitation, en l'accompagnant de ce présent fort singulier. La jeune femme en fut extrêmement touchée. Thank you.
l'avait quitté quelques mois auparavant l'avait toujours gâté par ses confitures. La douceur sucrée de l'abricot lui rappela la tendresse de cette grand-mère aimée. Cela lui rendit le sourire et elle accepta l'invitation au bal. S'était laissé fléchir, il s'apprêtait à signer la condamnation à mort de notre brigand, emprisonné pour un nouveau méfait. Thank you.
brigands allaient casser des cailloux dans quelques contrées lointaines. Une simple abeille avait changé le cours d'une vie. Ha 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 ha!